Bonjour Denisa, j'ai l'impression de vous connaître. Bonjour et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis très émue de me retrouver ici après tellement d'années, après Alors, tellement 17 d'années. années. C'était en 2000. L'année universitaire 2004-2005, donc ça fait 17 ans, mais je suis revenue pour la publication en 2006 pour la publication du recueil Scénar et Fogo d'Onivita, que vous m'avez fait cette merveilleuse surprise et honneur. C'est mon premier, tout premier recueil de poèmes. C'était mon journal poétique, le journal de mon séjour, de mon année passée en Corse. C'était dans le cadre du programme Erasmus. Oui. Ah, voilà. C'est un programme efficace, intéressant, n'est-ce pas, puisqu'il permet le déplacement. Les échanges, oui, mais voir, pour moi, c'était une chose extraordinaire. J'avais 20 et quelques années, 26 ans à l'époque, et je ne connaissais pas le reste du monde. C'était ma première sortie au monde. Et grâce à ce programme, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui venaient d'ailleurs, des Polonais, des Anglais, des Allemands, venus des univers et des langues différentes. Et ça m'a ouvert, je pense, à cette passion qui m'est venue plus tard, de la traduction, de la poésie. Donc, je pense que c'était... Pour moi, c'est à partir de cette époque qu'est venue ma passion pour le passage des poèmes d'une langue à l'autre. Je me posais déjà des questions, comment on dit certaines choses, comment on peut traduire certaines choses du corse en roumain ou de l'italien en roumain. Vous êtes originaire en Roumanie, de Craiova, et c'est là que vous avez fait tout votre parcours, le premier parcours, j'allais dire, universitaire et intellectuel. Oui, j'ai fait mes études à l'Université de Craiova, des études de théologie orthodoxe et aussi de langue et littérature française. C'était une double... spécialité, en fait. Deux choses différentes, mais réunies sur la même faculté, on va dire. C'était partagé en deux. Nous avons connu quelqu'un de Craiova qui a passé plusieurs années en Corse et qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est Dana Marina Dumitriu. Oui, c'était ma professeure de français, de littérature française. Et je le regrette énormément. J'ai appris, je ne savais pas qu'elle était décédée. Je l'ai appris il y a quelques mois. Je suis vraiment désolée. Elle était très jeune et je pense qu'elle avait à peu près mon âge. Elle a été pour la Corse, elle a été un véritable révélateur, peut-on dire. Moi, j'ai bénéficié vraiment de son intérêt. J'étais un des premiers puisqu'elle a, oui. Elle a traduit mon premier roman en roumain, n'est-ce pas? Oui, elle a traduit La Fontana d'Altea, ouais, et aussi La Mémoire de l'eau. Oui. Ah oui, oui. Elle a traduit deux de vos livres. Ah, c'était un personnage extraordinaire. Et puis elle a fait beaucoup de critiques littéraires sur la Corse, sur les différents courants qui traversaient l'expression littéraire, vraiment. Et elle est ensuite devenue. Elle avait un siège. Européen à Paris, je crois. Oui, commissaire de langue. Oui, commissaire de l'Office européen du plurilinguisme. Oui. Qui
qui s'occupait, comme son titre l'indique, des différents rapports entre les langues et les cultures européennes. Et c'est grâce à elle que je suis venue en Corse, voilà. Parce qu'elle m'a tellement parlé de la Corse et de sa passion, de son travail. Et j'ai dit, bon, je vais choisir la bourse, je veux que ça soit en Corse. Et c'est voilà. Après, elle m'a dit, allez voir M. Jacques Thiers, allez voir Giacomo Fusina, allez voir M. Chiorboli, oui, eh? Aussi. Oui, Oui, ça a été une année féconde pour vous, hein, oui. Puisque vous avez non seulement... Très intense, oui. Oui, vous avez non seulement continué vos études, mais vous êtes aussi intéressé aux différentes activités du centre culturel. Et j'ai sous la main là quelque chose d'assez rare, je crois. Hein. C'est un fascicule issu de l'atelier d'écriture du centre culturel des années 2006, où a été publié un recueil qui vous a été inspiré par votre bref séjour en Corse. Oui. Et il y a même un poème en Corse là-dedans. Oui. Hein, oui. On va essayer de le dire. Oui. Vous le dites S'il vous plaît, non. Je vais lire en français parce que j'aime beaucoup la langue corse, mais je ne veux pas... je comprends votre... Il faut que je me réhabitue un peu à écouter la sonorité, la musique. C'est une attitude de respect, je le comprends bien. Uento usole a luna. Uento usole a luna di un'isola, di una lingua divina. Uento che face o giro di a vida, stuento che batte con me augure. Avemmo chiamato usole di stadera, avemmo chiamato a luna, fior di sole, fior di luna, cresce di noi e tocca ogni nebbia, ogni tempo, cennare e fuoco ogni vita. C'est puissant, hein? C'est puissant. C'est du 4 octobre 2005. C'est une... Et on y retrouve... On retrouve un style, une densité... Un traitement syntaxique aussi qui, en quelque sorte, condense l'inspiration et porte le regard, mais aussi la pensée, vers l'essentiel. Ici, nous avons « fogo di ogni vita »,« cennare e fogo di ogni vita ».« Cennare e fogo », le principe... actif et le résultat de ce principe à travers les chaînes qui évoquent aussi bien entendu ce qui a disparu et pourquoi pas les cendres, hein, voire la mort s'oppose à la vie. Est-ce que ça n'est pas un caractère de votre pensée et de votre analyse? Il me semble que dans certains textes, y compris ceci que vous avez traduit du romain en Corse et qui est de Ion Monteano. Romain en français, oui, c'est... Il y a quelque chose de... Oui, de transcendant, je veux dire, oui. Quelque chose, un regard d'en haut, un regard qui observe, qui scrute la vie. C'est la perspective du soi, je veux dire, le soi, c'est ce qu'on appelle soi. C'est l'étincelle, je veux dire, divine de notre être. Et c'est de cette perspective que je
J'essaie d'écrire et aussi de traduire. Quand je choisis les poètes, les poèmes des poètes sur lesquels j'aime travailler, cette étincelle qui m'attire en fait. Il faut que je trouve en fait que je retrouve sa trace dans l'écriture de l'autre. Je considère que l'autre, c'est très important pour moi. C'est comme un visage et c'est très important. Il nous aide à nous connaître et il nous aide à évoluer, à avancer dans la vie. Le regard de l'autre est pour moi un miroir. Et le regard d'un autre poète que je traduis, que je suis en train de traduire, est pour moi essentiel. Ça me fait avancer. C'est comme une sorte de travail spirituel, un cheminement vers l'être. La poésie est pour moi est un travail spirituel, un travail sur soi. Et traduire les autres, c'est comme si c'est comme un prolongement de leur création, mais pas seulement ça, c'est un prolongement de mon être qui se voit dans leur œuvre. C'est-à-dire, si je comprends bien, il y a donc une implication d'une pensée de type philosophique, on va dire, que l'on retrouve d'ailleurs dans la personnalité même de cet auteur, Oui. si je ne me trompe. Hein. Oui. Ion Monteanu, dans ce que vous avez traduit sous le titre français Les Vivres de la Parole, et a une formation Philosophe, oui. de philosophe. Et on trouve, me semble-t-il, dans ses poèmes, Oui. cette marque. Et vous-même, donc, quand vous parlez du soi, tel que vous l'avez défini, Oui. ce soi, c'est paradoxal, inclut l'autre. Oui, parce qu'il est ce qu'on appelle, c'est on appelle tout simplement Dieu, on sert ça, c'est Dieu, c'est une instance supérieure. Mais en psychologie, les psychologues des profondeurs l'appellent soi, SOI, avec un S majuscule, c'est le soi, c'est ce qui est le plus élevé de notre être, le niveau le plus évolué, le plus haut possible, plus haut que ça, on ne peut pas y aller. Et c'est par ce soi que se rencontre, si je comprends bien dans votre pensée, que se rencontre l'auteur d'un poème dans une langue et le traducteur dans l'autre langue, dans la langue C'est de la grâce à la traduction. poésie, en fait. C'est grâce à la poésie parce que la poésie dit des choses qu'on ne peut pas les dire autrement. Elle dit l'indicible. Elle peut dire l'indicible. Autrement, ce n'est pas possible. Conceptualiser, dire des choses d'une manière rationnelle, pardon, ce n'est pas. Les mystiques, tous les. Mystique était tous les poètes étaient mystiques vous voyez et c'est ça que je cherche en fait dans les poètes. Bien sûr, pas tous les poètes sont des mystiques. Ceux que je traduis Salas Tetié, un immense poète d'origine libanaise qui était aussi ambassadeur du Liban. Et c'est lui
qui m'a ouvert, réouvert à la poésie. Je l'ai écouté, il donnait une conférence, c'était en 2016 au Festival de poésie de Sète. Je passais par là tout à fait par hasard et je l'ai écouté parler de la poésie, de la mission du poète dans notre société. Dire que le poète est important, que le travail qu'il fait sur la langue est essentiel, ça m'a tout d'un coup, je me suis réveillée, je dis mais c'est extraordinaire, je dis mais cet homme, je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était une personnalité, mais je me suis dit un homme qui parle comme ça, ça veut dire que c'est un grand intellect, un esprit éveillé, on va dire. Et à la fin de cette conférence qui s'intitulait « Raisons et déraisons de la poésie », je suis allée le voir, j'ai dit « j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et j'aimerais traduire le texte de votre conférence en roumain ». Et il a dit « vous êtes roumaine ?» J'ai dit « oui ». Et tout de suite, il m'a pris sur son aile, il dit « j'ai eu des amis roumains, Ionesco, Celan ». Beaucoup d'autres, Brancusi, il avait connu Brancusi, Jacques Harold, un peintre surréaliste. Et donc, du coup, j'étais parmi ces grandes personnalités, et je me suis comme jamais sentie, comment dirais-je, dehors de chez vous, extérieure. Non, pas du tout, au contraire, je me suis dit, s'il me met parmi ces grandes personnalités, tout d'un coup, je dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'habitude, quand on dit on vient de Roumanie, les pays de l'Est, mais là, du coup, j'étais parmi ces grandes écrivains, personnalités qu'il a... Et c'était mon passeport pour... Alors, aujourd'hui, est-ce que votre statut... je crois que vous résidez en France aujourd'hui. Oui. À l'université de Clermont. Oui, je suis partie en fin 2005 à Clermont-Ferrand où j'ai fait un master de lettres et après j'ai continué, j'ai fait un doctorat sur Umberto Eco, sur la technique de la mise en abîme dans les romans d'Umberto Eco. Et après je suis chercheur associé à l'Université Clermont-Auvergne. Et en parallèle, j'ai fait mon travail de traduction. Je traduis mes poètes, je fais des colloques, des articles. Alors, est-ce que vous passez en Corse comme ça, en coup de vent, ou bien est-ce que vous avez quelques projets, quelques intentions, pourquoi pas de coopération entre... les universités que vous venez d'indiquer. Au niveau des universités, pourquoi pas, je peux. Mais simplement au niveau des... Un niveau personnel. Personnel, oui. Et des créations, oui. Possibles, est-ce que vous avez... Oui, oui, j'aimerais... C'est un désir que j'ai de longue date, mais en arrivant ici, grâce à votre invitation, ça m'est redonné envie de traduire, de faire une anthologie de poésie corse contemporaine en Roumanie pour la publier en Roumanie et pourquoi pas plus tard de traduire des poètes roumains en Corse. Très bien, c'est une excellente perspective. En tout cas, je pense que l'Université de Corse et les écrivains de Corse seront emballés, hein, par cette perspective qui est vraiment très positive et qui correspond d'ailleurs à une certaine, on va dire, perspective non seulement de la Corse, mais aussi de la Méditerranée en général. Oui, oui.
Moi aussi, j'espère. Très bien. Est-ce qu'on peut vous demander, pour conclure, de nous lire un des poèmes de cette petite merveille, de le lire en roumain et en français? Avec grand plaisir. Je vais lire un poème de Ion Munteanu. Le titre du livre? Les vivres de la parole, on dit « Merindele cuvântului ». Les vivres, j'ai traduit par merindele, qui est un archaïsme des vivres. On dit, parce qu'on peut dire nourriture aussi, en français nourriture de la parole, mais vivre, les vivres, c'est ce qui. Nous vivons pas seulement de choses matérielles, mais on vit de la poésie, on vit des belles choses qu'on voit dans la vie, la montagne, la mer, les amitiés, les rencontres, les belles choses. C'est la plus récente de vos publications, celle-là. Oui, c'est 2021. 2021, et là j'ai encore cette année. Une anthologie de la poésie de Venus Curigata. Mmh. J'ai traduit en roumain, pareil, 101 poèmes, et là, il y a 103. Et l'anthologie que j'ai faite de la poésie de Salas Tétier, c'était 151 poèmes, 151, un peu plus que ces deux-là. Alors, on va choisir un poème. Le choix sera difficile. Non. Non, ils vous sont. Vous connaissez par cœur. Mais... très beaux tous. En roumain d'abord. En roumain. Rugăciune. Să nu mă uiți, Doamne, pe aici, cal nărăvaș strunit din bici. Să nu mă uiți pe aici, îți spun căriști, vulturi flămând, plutind peste miriști. Să nu mă uiți că de atâta ură îți voi sorbi întreaga ta făptură. Sau și mai rău, de atâta fericire, te-o-i prinde în lațul brațului subțire. Să nu mă uiți, Doamne, să nu mă uiți, dar fă-te că nu-i vezi pe dragii de părinți. Nu mi-i albi precum lumina, rama tabloului cu tata tânăr și cu mama. Și nu-mi da, Doamne, nu-mi da numai bine că mă răsfeți și uit de tine. Că mă răsfeți și uit de tine. Prier. Ne m'oublie pas, Seigneur, comme on oublie un cheval rétif fouetté. Ne m'oublie pas. Par ici, je te dis que tu cours un grand risque, aigle affamé en vol au-dessus des champs déchaumés. Ne m'oublie pas, car par tant de grandes haines, je siroterai ton être tout entier. Ou pire, tant de bonheur me fera t'attraper par l'étau de la minceur de mon bras. Ne m'oublie pas, Seigneur, ne m'oublie pas. Et fais comme si tu ne voyais pas mes chers parents bien-aimés. Je t'en supplie, ne blanchis pas leurs cheveux, tout comme la lumière qui a décoloré le cadre du tableau du père jeune et de mère. Et ne me donne pas, Seigneur, ne me donne pas que du bien, car trop dorloté, je t'oublierai. Trop dorloté, je t'oublierai. Une merveille, nous allons nous empresser de la traduire en corse. Hein, en tout cas, merci infiniment. Ravi. Et puis, donc à très bientôt. Et merci. Merci à vous. Merci de l'intérêt que vous nous avez apporté. Merci infiniment de votre invitation. Je suis très heureuse de me trouver ici avec vous. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Universalità, è un altro sogno d'università, diamoci la pena.